Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est l'heure d'un nouvel épisode de notre Let's Play de Borderlands 1. J'ai juste refait Skyxila une fois pour voir ce que ça donnait. Et je me fais déjà totalement défoncer, mais bon, c'est pas grave. Donc, juste pour voir ce que ça donnait, j'ai refait Skyxila également pour passer niveau 19. Allez, c'est parti. Donc là, faut que j'arrive à faire du dégât à cette voiture de merde. Allez, oh putain, ils vont me défoncer là. Comme mes masses de santé pas énorme, là je fuis un peu. Parce qu'il me reste pas énormément de vie. Alors. Du coup, là. Allez, c'est parti. Putain, il peut pas fuir rapidement quoi. 3. Ah bah ça lui fait du dégât là, au Outrider. Attendez là. Attendez, alors je vais juste recharger ça. Putain, ils me font mal, hein. Ok. Alors, le dernier, il est là, il est là. Non! Ah, je pensais pas que ça one-shotait. Ok, bon, on se fait one-shot, c'est cool. C'est cool, en plus, je vois pas toute ma santé. Bon, moi, je peux être téléporté, c'est pas grave. Ça m'apprendra à faire le kéké. Oh, putain! Voilà! Putain, ils m'ont emmerdé, là, leur Outrider de mes couilles, là. Ok, ça fait encore du bruit, je comprends pas. Bonjour. Voilà. Ok. Ah bah, ça c'est fait. Putain, hey, j'arrive pas à viser là, je tremble. J'ai plus de santé là, c'est quoi ce merdier là? Allez, voilà. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti, je vais y aller avec les coups de poing, ça va être plus efficace, plus rapide. Bonjour. Je suis... Alors là, il y en a encore un. Oh putain! Trois. Voilà. Plus de balles de snipe. Allez, on va y aller avec ça. Alors, j'ai plus de balles. Je vais y aller avec ça. Parce que j'ai tout simplement plus de balles de sniper. Ok, ça lui a fait un peu de dégâts. Mais pas énorme. J'ai un peu de santé, mais pas énorme non plus. Ah, incendiaire à sous-munition d'ailleurs. Ça, c'est cool. Je peux enfin les mettre. Ok, il est mort. Je vais checker un petit peu ce qu'il y a dans ce coffre. Où elle est? Oh putain. Alors j'ai été tué de où? De là-bas. Alors là. Attendez, mais il prend... Mais c'était quoi ça? Je lui ai mis 4 roquettes. Ça devait être un brutal. Où est-ce que je suis? Putain, je ne sais... Ah ok, j'ai spawné ici. Bon. Ok, c'est un brutal. Il m'emmerde. Il prend pas ses balles. Du coup, on va y aller avec ça. Ah, il a looté du bleu. Que c'est un sniper nul. Et ça, c'est une grenade nulle. Et moi, je suis un joueur nul étant donné que je me fais totalement défoncer. Un peu plus de dégâts. Un peu plus de cadence de tir. Ouais, on va voir ce que ça donne. Alors. Celui-là, je vais le vendre. Celui-là, je vais le garder. Alors. 401. Mieux que celui-là. Et les trucs à sous-munition. Et ça, c'est... Ok. Tous les... Ok. Ok. Alors, ce lance-roquette, ce qui va être bien, je n'en sais rien. Attendez, là, c'est quoi ce merdier, là? Oh putain, là, c'est quoi ce bordel?
Attendez là. Putain, il avait combien de santé ce sadique mutant de Méburne là? Alors, bonjour. Bonjour. Oh putain. Oh putain. Voilà. Putain, ils vont pas. Attends, le mec il me loot une arme niveau 4 quoi. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à vendre? Oh, ça c'est bien. Et c'est trop cher pour moi. Putain, j'en ai marre d'être pauvre. J'en ai sacrément marre d'être pauvre. Ça, c'est une meilleure SMG que la mienne, peut-être. Alors, Sledge Shotgun, je garde. Ça, je vends. Ça, je vends. Ça, je vends. Ça, je vends. Non. Ça, je conserve. Ça, je vends. 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 Alors. Ça, c'est un pompe. Qui a l'air d'être pas mal. Mieux que cette shotgun. Non. Et ça, c'est un... C'est SMG. Voilà, je prends la SMG et je vends la mienne qui est incendiaire, puisque celle-là fait 45 et que l'incendiaire, elle fait 29. Du coup, le problème est réglé. On utilise celle-là. Et voilà. Allez. Bonjour. Un peu de chance et il me loot une grenade nulle. Ok. Mode deck là. Le qui connaît cette zone mieux que n'importe qui. Demande-lui de te guider tant que je lui ai pas fait la peau. Petite trousse de soins. Alors, moi je vais acheter quelques trousses de soins. Histoire de d'être bien. Ok. Alors, je vais acheter des munitions également. Allez. Là on va ah, munitions sniper très importante pour moi vu que je joue quasiment que à ça. Coupe coupe circuit en V. Ah maintenant faut que j'aille ici, ok. Ok, c'est ça. Bonjour. Ok, il est là-bas. Merde. Bon bah écoute. Bon bah voilà. Hein. On les défonce. Bandour. Ce qui est cool, c'est que l'XP elle monte quand même assez vite dans ce jeu, c'est bien. Comparé aux autres Borderlands, là, c'est 400 d'XP par monstre. 400 d'XP, c'est pas mal hein, pour un monstre normal. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on... Et on doit retourner. Ok, c'est par là. Oh putain. Alors, ok. Ok. Bon. Voilà, on utilise un truc simple et on le défonce. Voilà. Bon, dommage, elle a pas une 15 de tir vraiment exceptionnelle. Mais bon. On fait avec ce qu'on a, hein. Bonjour, messieurs dames. Là, on va voir le réseau de voyage éclair, enfin. C'est pas mal bien, ça. Puisque le réseau de voyage éclair, dans le 2, on l'a au bout de très peu de temps. Là, ça fait déjà 5-6 heures que je joue et je les débloque à peine. C'est ouvert, c'est complètement con. Il n'y a pas d'ennemis. Ah si, quand même. Ok, ils sont en haut. Voilà. Voilà. Oh putain. Ça me tire dessus. Putain, ils me font ch'tiber leur bruit de merde. Voilà. Oh putain. Je recule, je recule. Je saute. Oh putain, mais attends là. Wow, wow, monsieur. Voilà, de l'argent. J'ai même pas besoin.
J'ai même pas besoin de viser leur tête en fait, je peux les tuer, je les one shot. C'est pas des gros ennemis, du coup ça c'est cool. Merde. Lui il a un bouclier par contre. Voilà, bouclier il est mort. Voilà. Chaque fois je recharge par réflexe, je me crois trop dans Battlefield. Genre dans ce type de jeu. D'ailleurs j'ai vu la bande annonce du prochain Battlefield, ça va être cool ça. Voilà. Les autres voyages éclairs. Bonjour. Oh putain. Ça m'a fait tuer ça. Voilà. Et vous êtes mort. Sur ce, au revoir. Attendez, il y en a encore là. Allez, c'est parti. Allez, crève, voilà. Bon, moi je me casse, de toute façon ça ne me rapporte rien de faire ça. J'ai envie d'avancer dans la quête avec vous, à mes côtés. Bientôt il y a une mission que j'aime pas, là où je creve tout le temps. Allez. Dur à cuire. Éliminer par trop de bandits. Ok. C'est pas celle-là encore. La gare de l'essence. Artefact élémental. Ah, trouver les composants du revolver. Course de la mort. Ah, hein. Ah, ça c'est bien ça. Alors, course de la mort. Alors, il va falloir que je prenne mon véhicule. C'est une mission où j'ai juste à écraser des fauchards. C'est les sortes d'ennemis bizarres. Ok, c'est parti. Let's go. On speed. Ça, c'est une petite mission annexe qui est sympa. Puisqu'elle est faite assez rapidement et puis on défonce tout. Alors... Voilà. Ah bah d'ailleurs, j'en ai tué une grosse. Par contre, elles me font du dégât à mon véhicule, je pense. Oh putain, ouais. Ouais, ça fait du dégât au véhicule. Hein. Ça fait quand même du dégât au véhicule. C'est assez chiant. Vous savez quoi, je vais quand même prendre un autre véhicule. Avec les dégâts... les dégâts de lance-roquettes. Et... oh putain. Ah, mais c'est chaque fois trop cher en fait. Du coup, je bande sur une arme que je ne pourrais de toute façon pas m'acheter. Ouais, bof. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Celui-là, il est bien. Allez, je l'achète. Ouais, sans regret. Lui, il a l'air cool. Lui, je le vends, il sert à rien. Oui, lui je le vends, il sert à rien. Et lui je le vends, il sert à rien. Ok. On y va. Voilà. Ok. Bonjour. On avance. Voilà. Oh putain. C'est cool ça. Qu'on n'est pas... qu'on est juste à les écraser pour les one-shot, c'est cool ça. Putain, par contre, c'est des ennemis, pouah. Hey, y en a combien, là? Faut toutes les écraser. Je crois que j'en ai laissé une en vie, mais bon, allez, on l'épargne. On va être gentil. Par contre, pendant ce temps, je vais sortir d'un petit peu. Histoire d'en défoncer un peu à la main.
super, en plus un peu d'XP en bonus, c'est cool. Alors, je vais utiliser mon dernier point de compétence, voilà. Faux char de géante. Putain, ça a l'air d'être dangereux ce genre de bête à la con là. Voilà. Maintenant, je peux avancer avec ma voiture qui a eu le temps de récupérer de la santé. Allez. Ils mettent trop longtemps à sortir ces trous de balles. Voilà. Oh, putain. Et encore deux. Ok, problème réglé. Voilà. Voilà. Oh putain. Et maintenant, retour à la maison. Bonjour. Bon, c'est cool, cette mission, je m'en rappelle, et puis elle était sympa, et puis c'est fait assez rapidement, et ça rapporte pas mal d'XP, donc c'est vraiment quelque chose de très sympathique de la faire. Ça rapporte peut-être 10 000 d'XP, 15 000 au total, du coup c'est toujours sympa d'avoir ce total d'XP en plus. C'est toujours ça de prix, donc là, une station de voyage éclair, je pense, et un lance-roquette qui est en plus très puissant. Alors, 400 contre... Ok, ben celui-là, il est beaucoup mieux. Allez, patrouille d'étude. Là, je dois me retourner. Et on doit aller défoncer des patrouilles. Alors, on va aller en défoncer. Ok, donc je pense qu'il n'y a plus de patrouilles, vu que je les ai déjà toutes tuées. On va revenir. Et voilà. Putain, je suis déjà au niveau de ma sirène, presque. Ça, c'est cool. Je suis déjà au niveau de ma sirène. Ok, on va spawn ici. C'est sympa. Non, on va aller démolir des patrouilles. C'est parti. Ah, ben voilà. Alors, bonjour. Voilà, patrouille détruite, une. Ok. Donc là, il va falloir que je recherche. Ah bah. Oh putain. Eh, ça me tire dessus en plus, hein. Voilà, deuxième patrouille démolite. Allez, on continue, on continue. Bonjour, les nouvelles missions. Allez, ah bah. Voilà, patrouille démolite gratuitement. Voilà. Allez, on continue. Ok. Je pense que ces deux êtres ne s'apprécient guère. 5 patrouilles détruites sur les 8. Et là, il y a quelque chose. Ok, c'était un bout de loup. La précédente voiture démolie sous nos coups de feu. Ah ben. Je vais les écraser là parce qu'ils me font chier. Et voilà. Et plus que une patrouille. Et le tour est joué.
Alors, laquelle va être... Ouais, ta gueule, qu'est-ce qu'elle dit, la merde. Est-ce qu'on peut la voir? Attendez, on peut la voir. Je pensais que je peux la toucher d'ici. Attendez, là, c'est quoi ce merdier? Si je la farmais de cette distance. Bon, allez, ça fait zéro dégâts, allez. Bon, où est la dernière patrouille? On va faire un demi-tour, on va un petit peu checker. Ah, bah, elle est là! Putain, elle fait mal en plus. Et voilà! Putain, je me suis bloqué. Alors, la technique universelle de quitter, reprendre. Et c'est parti! C'est la technique universelle du flemmard dans Borderlands. Hein, quitter et reprendre, mais voilà. On n'en parle plus. Patrouille détruite au rapport. Oh, t'as bousillé des bagnoles à moi à cause de lui. Bandit ou pas bandit, c'était des avaleuses de kilomètres de première bourre. Les avaleuses de kilomètres. J'achète ça, je vends celui-là, et je vends celui-là, afin de pouvoir utiliser celui-ci. Alors, ça c'est bien, mais je peux pas me l'acheter. Ça c'est bien, mais je peux pas me l'acheter non plus. C'est même très bien. Ça c'est bien, mais je peux pas me l'acheter non plus. C'est de la merde, et de toute façon je peux pas l'acheter. Ça, ça a l'air de... Oh, ça c'est cool ça, mais je peux pas m'acheter. Là, mode de classe furieux. Et je ne peux pas... Je peux rien m'acheter en fait, ça sert à rien, de toute façon c'est trop cher pour moi. Donc là, ça va être la mission que j'aime pas trop, parce qu'il va falloir tuer un gars avec le véhicule, et ça va être chaud. Très très chaud même. Tous mes baroudeurs pour les refiler à cette bande de tocards. Alors porte-lui le bonjour de Scooter. Tu me comprends? Bute-moi cet enfoiré de merde. Je n'aime vraiment pas du tout cette mission. Non pas qu'elle soit spécialement dure, mais je l'aime pas. Tout simplement. Alors, on va peut-être entrer ici. Ok, ça se ferme. Très bien, je sens que ça pue la merde. Allez, crève. Voilà. Ok, je tue un peu les gens comme ça. Ça dit que tu meurs, ça dit que tu meurs. Ok. Alors. Coucou. Bon. Ah! Madman. Ok, il est... Vous voyez, c'est pas spécialement dur, mais c'est juste... Oh putain. C'est pas spécialement dur, mais bon, je suis quand même décédé. Bonjour. Putain, par contre, le temps de recharge pour cette arme, c'est vraiment de la merde, hein. Attendez, il tire les deux. Ah, il y a que une roquette, en fait. Ah, putain! Le niveau vie, vous voyez, il en a pas non plus énormément, mais... Je lui ai enlevé quasiment toute sa vie en une roquette. Mais il enlève quasiment tout, en fait, de... C'est ça, le problème. Une roquette et le temps de recharge est vraiment énorme. Ça, c'est le souci. Allez, Madmel. Voilà, il a pris énormément de dégâts. Voilà, c'est son tour. Bonjour, voilà, il me tire dessus. Non!
Ah putain. Ce lance-roquettes, il pue la merde en fait. Son temps de recharge est beaucoup trop long. Putain. En fait, ce qui fait chier, c'est vraiment les missiles en continu. De ce Madmel à la con là. Madmel Babybel. Pardon. Ceci était une blague nulle. Alors. Eh merde, j'aurais pu limite farmer d'ici, tu vois. Là-bas. Voilà. On évite les roquettes de ce madmel de mes couilles là. On se barre. On utilise le speed pour fuir. On fait tout le tour. Calmement. De toute façon, il peut pas nous viser. Ah, en fait, j'ai trouvé une technique là. Ah, c'est pas si dur que ça en fait. Allez, on utilise ça comme ça. Il arrête de nous enquiquiner. Il faut quand même que la vie elle se recharge. Ça, c'est le problème. Mais bon, ça va. Ça met du temps, mais ça se recharge. Voilà, on fuit. On lui a fait pas mal de dégâts. Putain, par contre, c'est. Oh putain. Putain, non! Merde! Et voilà. Putain. Il faut absolument que je le tue, là. Toi aussi. Putain! Ouais, voilà. Yes. Voilà. Attendez, là c'est du rider à l'infini ou quoi? Putain! Bon. Parler à Claptrap. Ah oh, putain, ils m'ont zigouillé à la fin, ces enculés! Oh. Putain, j'avais trouvé une technique et tout là. Putain, le mec il bat des invincibles dans le 2, mais dans le 1 par contre, il pue la merde. Hein. Putain, je suis très 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 nul. Je sais même pas ce qui m'a loot en plus. Putain, ils me font chier là, leur Outrider de merde là. Putain. Voilà. Ça y est. Alors. En fait, il m'a strictement rien looté. Très bien. Juste de l'XP à la rigueur. Voilà. Transition. Ok, on va aller parler au Claptrap. Bon. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il va faire comme connerie, lui? Ah ben voilà. Alors, je me suis arrivé à New Haven, la capitale tout simplement du 1, à l'instar par exemple de Sanctuary dans le 2. Bon. C'est très dégueulasse, hein, comparé au 1, mais bon, comparé au 2, pardon. Message que j'ai pris une décision qui risque de vous Elena déplaire. Pierce. La clique de Baron Flint et leur machine infernale se sont installées et je veux éviter que des citoyens ne se fassent tuer en les traversant. Oui. Alors, bonjour et... Ah, bah, ça y est. J'ai plus d'armes. Super. Alors,
Je peux donc ne pas encore mettre celui-là. Mettre le shotgun en troisième place et le lance-roquette en quatrième. Putain! Le sniper en 3 et le shooter en 4. Et comme compétence. Lui, c'est quoi pour son stage de... Ah, ça, c'est cool, ça. Ça, je vais le faire. Ok. Ok. Ah oui, c'est vrai que ça, c'était... Que, d'ailleurs, dans le 2... Jack il chargeait avec l'iridium pour que ça se passe plus rapidement. C'est vrai ça. Des souvenirs. Alors. Bonjour jeune homme, ou jeune femme, ou je ne sais pas ce que vous êtes. J'aime trop les culs. Alors moi je regarde s'il n'y a pas des coffres. Putain, il n'y a pas un coffre. Bonjour. Ok, c'est ici. Alors. Putain, mais ça, ils peuvent pas le faire eux-mêmes, quoi. Faut forcément nous donner les missions nulles. Allez. Je pense que c'est quelque part en haut. Du coup, il va falloir monter. C'est parti. Putain, je vais réussir. Voilà. Je pense wrong way, du coup je vais aller par là. C'est parti, bonjour. Voilà, c'était là. Et le dernier. Aïe, merde. Il est par ici. Là il y a un truc pour claptrap, ça veut dire que. Oh bah. Alors qu'est-ce qu'on a ici? 19 x 7. Non. Il est très très nul. Et ça, c'est de la merde aussi. De la merde en boîte. Et le dernier est ici. Au rapport pour la mission. C'est parti. Je suis quand même dans un niveau assez bas. Hein. Ah, 58 de dégâts. Et la mienne, elle est à... 45. Bon, elle fait beaucoup plus de dégâts. Mais moi, j'ai quand même envie de passer niveau 22 pour pouvoir utiliser cette arme de merde. Bonjour, la mission est terminée. Merde, c'est pas par là. C'est par où? Ok, c'est ici. Putain, je suis vraiment très très nul à ce jeu. Hein. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Chercher Tanis. Oui, Tanguy. Alors, on va aller parler au Claptrap, qui aura besoin de la trousse de soins. Je suis sûr. Putain, me dis pas que je suis Keblo derrière. Voilà. Putain, c'est long. Je vous parle. La dame dont le visage n'est que cicatrice est persuadée que vous et moi, nous cherchons la même chose. Venez me montrer l'antiquité que vous avez trouvée. Allez. C'est marrant de voir quand même que dans celui-là, il y a plein de claptrap alors que dans... Le 2, il y en a zéro. Mais bon, ça c'est une autre chose. Donc là, on va aller montrer à Tanis le fragment d'arche que nous avons découvert. Pour après, il y a une mission que, qui a toujours pas été faite. Mode de classe soldat. Ça coûte trop cher. Est-ce qu'ils vont comprendre que ça coûte trop cher pour moi? T'as une bordel de cul. Hum.
Tout est trop cher. Alors, Tanis se trouve là, donc je dois passer par ici. Oh là là, ils font chier par contre dans celui-là à dire toutes les 3 minutes bonjour, mission, panneau des primes, c'est un truc de malade. Le 2 était beaucoup plus tranquille, en tout cas pour ce truc-là. Oh putain. Je sais pas ce qu'il y a spawn, mais il a pas vécu très longtemps. Bon, on va passer. Merde. Oh, oula. Oula. On va aller. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Les siminoptères. Tanis, j'arrive pour jouer avec toi au tennis. Pardon. Bonjour. Ils sont toujours du mauvais côté. Putain. J'ai quand même envie de voir ce que ça donne leur roi. Ok, 500 d'XP, donc c'est pas super. Enfin. Let's go. Oh putain, attendez là, c'est quoi ce merdier? Alors, ils sont niveau 25, je suis niveau 21. Je sais pas, ils sont allés chercher leurs amis. Putain. Oh putain. Allez, hop, on le défonce. Histoire de faire un petit peu de dégâts. Attendez, mais là, il y en a combien, là, des hyménoptères? J'en tue un, il y en a un autre qui vient, là. Voilà. Putain, et c'est galère, quand même, hein, avec ce personnage qui est pourtant pas mal fort, hein, c'est quand même galère, hein. Oh putain. Oh putain de merde. Ok. Je lui ai mis une petite balle en crit. Voilà. Putain. Où est-ce qu'il est passé? Ok. Maintenant ça suffit. Allez, go. Voilà. Oh, un artefact. Ah yes, artefact électrique. Putain, j'ai cru qu'il y avait... Alors... Nickel, ça c'est en plus c'est un niveau plus élevé. Ah ça c'est cool. Ah franchement là ça c'est sympa là. Cet artefact électrique là, j'ai vu un orange tomber, j'étais là. Oula, attends, c'est quoi ce bordel? D'où il y a un truc orange qui tombe. Ok. Oh putain de merde. Oh là là là. Ouais, bon, bon, alors là...
Putain, mais alors là, faut arrêter. Où est-ce qu'ils sont, là? Il y en a encore un. Et le dernier. Voilà. Eh, c'est dangereux, son bordel. Il y a combien de racks ici? Putain, faut faire attention, madame. Voilà. Là, on va retrouver Earl. Putain, ce fut une vidéo de qualité. C'est très sympa. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je serai curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite vidéo? Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!